et bienvenue sur Destination Guitare. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un morceau de Black Rebel Motorcycle Club qui s'appelle Beat the Devil Statue. Attention, attention, pour ce morceau, on fonce pas tête baissée dans la partition que vous trouverez sur mon blog www.plimblues.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il va falloir rectifier son accordage parce que si vous le jouez avec votre accordage standard, ça va sonner très bizarre. On va garder mi grave. Si vous ne savez pas comment accorder votre guitare correctement avec un petit accordeur à pince comme celui-là, il y a une vidéo déduite aussi. Pensez à vous accorder, c'est important. Par contre, attention, notre corde de La, on va avoir besoin d'un Si. Donc le Si, il est au-dessus du La, il est un ton au-dessus. Donc il va falloir que je tende ma corde jusqu'à ce que mon accordeur affiche un Si. Attention, pensez sur votre accordeur à vous mettre en mode chromatique, sinon vous pourrez toujours l'attendre le Si. Je précise, pour ceux qui l'auraient oublié, le Si c'est la lettre B, revoyez le chiffrage anglo-saxon, c'est par la même occasion, ça vous fera pas de mal, toujours le lien dans la description de la vidéo. Corde de Ré, à présent, on va avoir besoin d'un Mi à nouveau, attention c'est pas le même que notre corde de Mi grave, ça va être le Mi qui est à l'octave au-dessus, celui qu'on a ici en fait. En case 2 de la corde de Ré habituellement. Et là, on va avoir besoin d'un deuxième Mi à vide. Donc, je vais tendre ma corde, pareil que pour la corde de la Do, Ré, Mi. Le Mi, il est au-dessus du Ré. Donc, je tends ma corde jusqu'à ce que mon accordeur m'affiche un Mi, c'est-à-dire un E. Voilà. Donc, Mi, Si et Mi. Sur la corde de La, on va jouer en même temps la corde de Mi grave. Pour éviter de jouer les cordes en dessous de la corde de La, moi je vous conseille de jouer avec un index relativement à plat, de façon à ce qu'il étouffe déjà la corde de Ré au moins. Donc on fait 5, case 5 sur la corde de La, case 8, case 10, toujours avec l'index, et arrivé à case 12, on va le jouer avec l'annulaire. Ensuite, on repart de la case 12 et on va aller chercher la case 10 de la corde de Ré. Mais cette fois-ci, moi, je vous conseille de jouer uniquement la corde de Ré parce que sinon, il faudrait étouffer la corde de Mi grave pour garder le bourdon. Ça ne va pas être pratique. Ensuite, on recommence 12, 10, 8, 5. On remonte en fait jusqu'à notre point de départ. Ensuite, on va jouer deux notes sur la corde de Ré. Donc, comme tout à l'heure, moi, je vous conseille de laisser sonner la corde de Mi grave, évidemment, mais pas d'aller la chercher, parce que ça va être un peu compliqué. Et ensuite, case 12, corde de La, donc avec le Mi grave, et case 8. On va avoir besoin d'un accord barré sur les trois cordes graves, Mi, La, Ré, en case 5. Et là, il va faire du bien cet accord parce qu'on va enfin avoir une autre note à la basse que le Mi qu'on avait depuis le début. Ensuite, on rejoue notre double stop avec Mi grave, en case 8 de la corde de La. Et on revient sur notre barré. Et ensuite, on va rajouter l'annulaire, corde de Ré, case 7, pour jouer uniquement la Ré. Et on l'enlève. Et pour finir, on vient chercher la case 8 de la corde de La. Et la case 5 de la corde de La avec notre bourdon. Ensuite, tout ça, ça continue. Je vous le rejoue un coup en entier.
comme riff avec ces notes un petit peu bourdon, un petit peu entêtantes qui tournent. Donc amusez-vous bien avec Beat the Devil's Tattoo. Si vous changez de morceau ensuite, n'oubliez pas de vous raccorder en mi larré, sol, si, mi. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne Destination Guitare. Allez faire un tour sur mon blog www.plumeblues.com, ne serait-ce que pour récupérer la tablature de ce petit morceau des Black Rebel Motorcycle Club. Je suis en Orisère, je suis prof. Si ça vous intéresse, contactez-moi pour prendre des cours, je vous accueillerai bien volontiers. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo-guitaristiques. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao !